Donnez-moi votre lien, je vous prie. N'hésitez pas à approcher, ça ne fait pas mal. Au début. Maintenant, mes seigneurs, baillez-moi votre lion, je vous prie. Je vais vous conter par le menu l'art de la poudre noire. Au XVIe siècle, les Landsknecht, les Lansquenets, les chevaliers de campagne, comme on les appelle, vont être équipés comme les armées antiques. Sauf qu'il va y avoir une petite modernité. Et on est équipé de l'arquebuse. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Pas moi. Attention, ça tire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une arme composite. Dessus, il va y avoir une arme à feu et une autre arme, ici une hache. C'est pour ça que je l'appelle la poumache. Parce que vous tirez, boum, et puis après vous hachez. Pour le tir du poumache, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non, oui. Ah ouais, je vous ai pas dit. Moi, je suis artilleur, je suis à moitié sûr de celle-là et complètement sûr de l'autre. Donc quand je vous pose une question, n'hésitez pas à répondre avec le verbe « haut ». Que je sois sûr que vous soyez sûr de bien m'avoir compris. Ah, je suis pas sûr que vous ayez compris là. Pour le tir du poumage, est-ce que vous êtes prêts? Au feu! Aïe! Moi j'adore ça, la fumée de poudre noire. Il n'y a rien qui sent bon comme ce truc là le matin au réveil. Pour le tir de Stella Mortem, êtes-vous prêts? Oui. Gare au feu. À l'intérieur. Surtout pour les enfants en bas âge là-bas. Ouais, toi t'as des vieilles oreilles, on s'en fout, mais lui ça peut encore servir. Merci.